2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On finit la séquence sur la jambe gauche, ce qui fait qu'on peut l'enchaîner plusieurs fois. Vous pouvez aussi la tester de l'autre côté si vous en avez envie. Pour les points clés du cours, donc je vais revenir encore une fois sur la partie chorégraphiée. Je vais la redétailler avec vous et puis je m'arrêterai sur les points un peu plus techniques. Donc, on commence la séquence par un rock step. Rock, step, rassemble, kick, ball change, marche, hop, pause. Donc, on fait ce qu'on appelle un eagle slide. Si je vous le montre de côté, rock, step, woo, kick, ball change, marche, skip, pause. L'idée, ce n'est pas forcément d'aller très très loin. Ce n'est pas un saut. Donc, notre pied ne décolle pas du sol. Il reste au sol. Il fait juste un petit slide en fait. Hop, voilà. Et pensez bien à 8. Slide, pause tout de suite pour pouvoir enchaîner. On enchaîne avec des camel walk, ou en tout cas une partie de ce qu'on appelle le camel walk. Donc on a 4 temps pour se déplacer. On a fini à 8 sur notre jambe gauche et on va pousser avec la jambe gauche pour venir tendre la jambe droite. 1, 2, 3, 4. Je m'attarde un petit peu sur le camel walk. Si vous avez besoin de pratiquer ça en dehors de la chorégraphie pour l'y intégrer plus facilement, vous pouvez commencer par le pratiquer sans déplacement du tout. L'idée du camel walk, c'est qu'on transfère notre poids tous les temps. Marche, 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 marche. Et on a toujours une jambe tendue, une jambe pliée. Marche, 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 marche. Une fois que ça fonctionne, vous pouvez vous déplacer. Ha, ha, ha. Et une fois que ça fonctionne, vous pouvez venir croiser. Marche, 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 marche. Et dans l'autre sens. Ha, 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 ha. Dernier élément, on peut rajouter les épaules pour amplifier le mouvement. Donc on baisse l'épaule du côté de la jambe tendue. Et nos épaules ont exactement le même rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je colle tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, nous avons le camel walk. Dans notre chorégraphie, donc on est arrivé là à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on va faire un rond de jambe sur 5, 6. 5, 6, 7. Et on le décore ce rond de jambe avec des kicks. Kick, kick, hop. À 8, pause. Attention à bien faire votre rond de jambe. Ha, ha, ha. Et non pas à faire kick, kick, hop. Qui est différent. Là, on veut vraiment garder l'idée du rond de jambe. Et en fait, il faut que votre jambe soit bien relâchée pour que ça fonctionne. Un peu comme si vous aviez quelque chose là sur le pied dont vous vouliez vous débarrasser. Ha, ha, boum. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, clac, clac, boum. Là, on a un temps. Pour garder notre pause, on va venir tourner sur 3 temps. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. On rassemble. Et ensuite, une fois qu'on est là, on a 2 temps de pause. Donc, pour les 2 temps de pause, je vous ai donné le choix. Soit on fait une vraie pause, il ne se passe rien pendant 2 temps. 1, 2, alléluia. 5, 6, 7. 8. Soit vous pouvez garder l'idée d'aller dans cette direction pour revenir par là, en utilisant vos bras par exemple. Si je reprends depuis ici, ça va nous donner 1, pardon, je ne suis pas partie de la mouvement, clac, 1, 2, 1. Ah, mais c'est parce que j'ai pas le bon croisement. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, marche, marche. Et enfin, on a vu qu'on pouvait décorer notre marche en faisant des applejacks. Ha, 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 marche, 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 marche. Pour les applejacks
Les genoux vont dedans, 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 dedans. Et j'écrase le sol avec mon pied. De dos. Marche, 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 marche. Voilà pour la séquence chorégraphie. Pour l'autre partie, plutôt improvisée, on s'est simplement donné comme exercice de se déplacer en dansant, mais en se donnant un rythme bien précis qui est le rythme de la marche, rapide. Donc on transfère notre poids sur tous les temps de la musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marche, 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 marche. On peut utiliser des pas qu'on connaît déjà, la forme est totalement libre. L'idée, c'est de bien garder le rythme. On a vu qu'on pouvait faire des points au sol, précis. Clac, 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 ou faire des slides. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Donc à ce moment-là, nos pieds ne décollent pas complètement du sol. Et normalement, si vous êtes en chaussettes, vous entendez des en respectant toujours la consigne de transférer sur tous les temps. Et après, l'exercice, donc, c'était d'alterner entre la partie chorégraphiée et la partie avec juste la marche improvisée. Vous pouvez alterner comme on l'a fait pendant le cours ou comme je l'ai fait au tout début de la vidéo en faisant 4 x 8 la séquence chorégraphiée, 4 x 8 impro, 4 x 8 la séquence, 4 x 8 impro, etc. Si vous avez envie de travailler sur votre musicalité par exemple, vous pouvez prendre une séquence qui va faire, enfin une musique pardon, qui aura comme structure AABA. Et du coup, vous pouvez choisir d'avoir la chorégraphie sur le A et l'impro sur le B, ou inversement, et trouver peut-être d'autres moyens d'alterner ces deux parties. Voilà. Je vous souhaite une excellente pratique, et à très bientôt.